nous arrivons au prix de la francophonie et je vais laisser le soin à Léna Wap à la fois. Léna représente l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais lui laisser le soin d'ailleurs de nous en dire un mot, de nous dire au fond pourquoi l'OIF a accepté ma proposition de partenariat. Et puis ensuite, je lui laisserai le soin d'ouvrir l'enveloppe. Je vous remercie, Monsieur Ragneau. C'est un grand plaisir d'être ce soir parmi vous. Donc, comme vous le dites si bien, je suis Léna Wap de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, avant, j'étais à Paris parce qu'on était dans une direction, la direction de l'éducation et de la formation, dont le siège était Avenue Bosquet, dans le 7e. Et puis, lors du sommet des chefs d'État en 2014, les chefs d'État ont décidé de créer un organe subsidiaire de la francophonie qui est chargé de tout ce qui est question éducative. Et donc, du coup, l'organe s'est installé à Dakar. La direction a été délocalisée. Et donc, nous sommes tous devenus des Sénégalais, entre guillemets. Mais je suis d'origine sénégalaise, donc je peux me permettre. Et donc, depuis l'été dernier, c'est toute une équipe qui s'est installée à Dakar pour être plus proche de nos terrains d'action. Et donc, nous sommes tous déployés à Dakar depuis l'été dernier et nous menons toutes nos activités dans la zone Afrique francophone, notamment, et puis dans l'océan Indien, les Caraïbes, les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Et donc, ma présence ce soir parmi vous, c'est qu'une mission dévolue à l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, est de promouvoir l'innovation dans le domaine de l'éducation, et en particulier pour tout ce qui concerne l'innovation techno-pédagogique. Donc, c'est pour cette raison que nous avons répondu favorablement à la sollicitation de l'association « Apprendre et réussir ». Car nous pensons que les solutions innovatrices en matière d'éducation et de formation permettent d'avoir un effet de levier important, car elles peuvent être implantées à une large échelle avec des coûts minimes par le biais de l'utilisation des TIC, tout en améliorant la qualité de l'éducation et de la formation. Par ma voix, l'IFEV remercie toute l'équipe de l'association ainsi que son président, M. Alain Ragneau, de nous avoir associés à ce bel événement qui récompense l'innovation francophone dans toute sa diversité. Donc nous félicitons tous les nominés et tous les lauréats. Voilà. Je vous remercie. Et je vous remercie et nous vous remercions. Alors, nous allons maintenant, ou plutôt vous allez ouvrir l'enveloppe. Alors je ne sais plus laquelle est la bonne, mais nous devons avoir... Ah, la voilà. Ah. Et cette fois, avec la totalité, il ne nous manque plus rien. Voilà l'enveloppe. Et je vous laisse le soin de l'ouvrir. Roulement de tambour, Laetitia. Faites jouer les tambours. Le prix de la francophonie 2018 est décerné à Blolab du Bénin. Blolab, c'est un projet qui est porté par Médar Abgaillazon, qui n'est pas présent ce soir, avec qui nous allons essayer d'entrer en communication via Skype, et qui est représenté normalement par Thibaut Coutangny, qui est présent. Bonsoir. Je vous remets que nos amis belges de Tilt ne se désespèrent pas, je leur remettrai tout à l'heure le trophée. Je vous remets le trophée du prix de la francophonie. Grand bravo. Et je vous remets même la petite enveloppe qui vous permettra, qui nous permettra de vous effectuer le virement. Est-ce que nous avons M. Abgaillazon en ligne ? Non. Vous avez essayé par l'adresse que je vous avais donnée ? Mais ça ne répond pas. Ah oui, évidemment. Et ça n'est pas encore fait. Bon. Oui, bien sûr.
D'abord, je suis ravie effectivement que ce soit vous qui, enfin, que ce soit le Bénin qui a gagné, que ce soit ce projet. Nous avons nos élèves qui sont en filière soins à la personne, qui vont partir au Bénin, donc une vingtaine, qui vont partir au Bénin au mois de février, et ils vont être précédés par Hélène Perrault-Saint-Paul et le directeur de l'établissement. Et je souhaiterais qu'à cette occasion, il y ait effectivement une rencontre qui s'organise entre les deux associations, si j'ose dire. Merci et bravo. Merci Françoise, et c'est effectivement une excellente idée. La liaison, toujours pas ? Non ? Vous souhaitez dire quelques mots ? Oui. Ok, je pense que vous aviez déjà vu la vidéo qui a été présentée sur Blue Lab. Je vais juste rajouter que alors Blue Lab, ça fait partie d'un réseau de Fab Lab en Afrique de l'Ouest qui font un travail formidable pour montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a d'autres voies pour former, notamment les plus jeunes, en intégrant justement le numérique dans la formation des jeunes, en les intéressant justement par le numérique et en forgeant leur créativité justement par cette approche-là. Donc voilà, c'est ce que j'allais simplement ajouter. Et merci à ceux qui ont organisé cet événement et qui reconnaissent des initiatives comme ça. Voilà, merci. Merci, bravo.